Bonsoir, bonjour, na bande konyoso ya Fantastic Info TV et ba téléspectateurs balandra biso partout bisika bosi na kovanda na dans le monde entier, partout na kati Europe, na Asie, pourquoi pas na continent d'Amérique et pourquoi pas na kati Afrique mobimba. Et wana za ki bongo message Zéphirin Tita, ozali bongo simple serviteur na bino et awa pito ki bongo précisément na commune ya Mongafula. Et je crois ils allaient bongo na entrée ya Mbinza Telecom et tout moni moko na biso oyoba benga mi bongo abonné à Fantastic Info TV moko ya diaspora monene na kati ya ville province en Kinshasa et pas wapi tout moni que diaspora sur le singara yete abete moi tour vendi moi trop kunozimo malile mais moi donné faut être avec moi tour na côté la yete o ba côté la yete évolution ya ekolo ya bankaka na yo ba koko na yo batika. Et pas wapi oyo mutolo na yo kundama ki quoi. Donc c'est à dire que non va prendre fort courage ya trop na papa na biso aussi ko za liboso na biso écran bozolanda lui souvent son le la bino et trop sain na bino et mission le les livres mais mission moko ya mutu ya mingi et je crois formation ko pesa na kasi mission au conseil ko pesa ma vraiment ma kasi ba e ban so za la ka vraiment na souci à côté à gros pastoral à gros business c'est-à-dire mais quand peut partager bah lien et vina émission à l'élo et mais quand peut chamato inayo mingi na émission à l'élo vraiment je crois ils allient émission mon quasarté et je crois mingi à colbezalité plus de détails tout comme est bon et long on a pas pendant la vie sur les bosses un petit écran tout ça nous demande de coba s'abonner massivement et puis partager bah lien du sika aussi dans Kovanda et longo na ba ikukia na bino wane za ki bongo mese Zéphirin totondi papa na biso mbote papa mbote ndeko Zéphirin komo nani papa bande ko bazola ndo ya sikara ta fantastique en foti bazo kamo ete papa to moni ya sikara to moni kombata mune ya diaspora mune na na kata ville province en Kinshasa ya ko beta tour vraiment na habite komo nani bande ko me kan pe ko comprendre yo et ba na sikara na poto moto ya sikara fantastique TVT na landaka yango depuis kala melelo na zo opportunité wana pour nous présenter les bosses nabino nga ezali ndeko nabino Celestino Mwisi na zali résident na Suisse plus précisément na Lucerne naza awa na mboka ya Congo na commune Mongafula na quartier Sekeseke na ngudi abaka yo awe sika to meka ko sala moyo loko moka mokie pour nous représenter mabela ba koko na biso vraiment boye imalamu tu yambio malamu na mabela ba koko ya mabela ba nkakani to lobaka na Kikongo. Au comment quand peut-on tel service au sentiment mobile en onde ni mboka yango sentir en onde ni depuis kenda kino na 2023 aussi qu'on y a tel sous mobile. Non, en tout cas bon, on a précisé que ce n'est pas seulement 2023 qu'on y a tel sous mobile mais qu'on y a tel sous déjà depuis kala mais 2023 ndé to meko bimise longi pande ko sobani kala ko mona biso. Mboka na biso ya limboka li pamboli. To na mboka moko nzamba pambola biso ezaka to za la mayele ndé ya koyeba ndé ni to ko sala pour nako ba ko fructifier ya koyeba ko profiter na mboka oyo nzamba pesi biso. To za na mabele moko béni, to na mabele moko vraiment soki to tali kala carte, so lingo mona mabele mboka ka Congo malamu talaka na carte du monde ko mona biso zali parti o ezali tout vert donc biso tout est fait vert vraiment merci beaucoup papa na biso Celestino et tozo continuer l'émission pour mon quoi lelo to ko beta pin li solo ce qui concerne lelo na carte mabele ya Lucerne paradis ferme Lucerne paradis o komeka pe ko pesa biso mo detail Lucerne paradis kombo wana zo tiongo wapi. Bon, combo à Lucerne paradis ezali tiré na combo ya ville o nga na vandi na Suisse na Lucerne juste à côté à Zurich. Soki na tiki Lucerne paradis pour na rotali ça été tozana mabeli na biso ezali paradis mboka oyo ki Congo ezali paradis na souci yango na combo ya ville oyo ba kiyir ngai na vandi kuna place à se développer na sali toute ma presque une grande partie de ma vie na Lucerne yango na ligai kotika mboka na ningo na te na mema combo ya mboka wana Lucerne paradis awa na mboka ya Congo. C'est-à-dire que vous avez même mboka ngonde ngoye beli. Bon, bato ba yebi Suisse so ba na Lucerne ezali la ville touristique ya Suisse ya mboka mo ville mo ya kitoko na si quelques images que za la projeter awa pour to mona ville wana Lucerne za une très belle ville la linga été etika la kaka ndingwana ba linga pe za représenter a na mboka na biso yango kombo ya ferme na biso pe ki kombo ya ferme Lucerne paradis. Mais n'en père ferme Lucerne paradis ezali bongo na combien d'hectares ou bien combien de mètres sur combien ben ndeko bazola ndango ba mikampe ko comprendre. Ferme Lucerne paradis pour l'instant est un prototype.
Eza prototype ya auto ko sala à l'avenir. To bandaki yango tozana superficie mo rezana no vraiment pas vraiment énorme. Mais to ko se retrouver ya 42 sur 23 donc à peu près ba centaines de mètres des milliers de mètres carrés. Donc eza nanu moke mais eza projeté ko ko sala vraiment na kat na lieu moko ya 5 hectares eza déjà la perspective na biso il y a monde place ko imposer ko implanter ma ferme mais ce que toi non na prototype ya ko tala image sikani toi liko kenya na mon toi liko sala maintenant pour l'instant la carte ferme l'hiver le paradis eza na boza na domaine ya élevage ou bien boza na domaine o babengi agriculture. Bon, biso to lingi to se basé buto se basé mina agropastoral. Agropastoral les ali ferme o ezali ko parler sur beaucoup plus sur l'élevage mais na agriculture na kata na mo metuti agropastoral parce que ezali agriculture beaucoup plus tonon na domaine pastoral. Donc côté ako élevage ya banyama ou benga ba petit bétail ba gros et petit bétail. Donc biso précisément to ali ko travailler sur l'élevage ya ba porc ce qu'on appelle l'élevage porcine. Vraiment, on est fantastique. Info TV, qui papa, on a vu sur Célestin, on a répondu à ma question. Mais tout n'en est qu'à émission, nous sommes au coin. Lolo, toujours continuer car à coco, on a qu'à émission, nous sommes au coin. Lolo, tout comme un peu et côté à l'essayer, émission, on a vu sur Lolo, ça m'ing basé. Na au Italie, bongo côté à élevage des porcs. Le n'a qu'à l'essayer en paradis. Et puis tout comme un peu, on va m'en détailler. M'ing et papa, on a vu sur Célestin. Et la fois passée, mais quand il peut être habitué, était aux Ali. Et bien formé en fait d'un côté l'élevage des porcs en fait au royaume sabiso tout ça deux sortes de formation tout ça en formation informelle et puis tout ça en formation formée alors c'est à dire d'après Bino vous avez qui formé ou appui n'a pas de l'école bien vous avez qui formé dans mon tour où on est pour la même chose massima non gai d'abord c'est un projet moko et puis beaucoup de gens bah diaspora ou bien beaucoup de batébélé bazo ko échoué pourquoi bazo ko négliger domaine no abinkobo formation parce que celui qui se forme azana vision moko ezamo un peu global à comprendre loko na osala ce qui formation ezate muta ko sale loko mais a ko tomber beaucoup trop bana mambélé donc ngai na zo ki formation à porciculture na en ligne et ndela ya pa ya ya monsieur Jean-Cyr Mekandep en ligne à basé na Brazzaville et puis la formation sur ma ligne sur na Cameroun donc azuma formation vraiment en ligne parce que ngulo ko banana mwana bana porcelain reba qu'est-ce qui veut dire truie qu'est-ce qui veut dire verra qu'est-ce qui veut dire truie à l'étante qu'est-ce qui veut dire ba race autour aux langues peut-être ba large white ba diroc ba langtra rancastre ba donc il y a beaucoup de races en tout cas bloko anis aux yango par la formation donc yango ngai na ko encourager moto peu importe à domaine où se lancer surtout dans domaine à porciculture avoir une formation et puis le haut par la grâce de Dieu tous ba tout ko peut ko pesa moi ba formation pour reformer ba tout par rapport à mon salaire pour ce culture. Vraiment papa Celestin me dit que pour répondre à la question la biso vraiment dit ton makasi et to zo sing na bandeko o bazola na biso en direct na Fantastic Info TV et ba question ça vraiment makasi mingi na moko alelo et puis papa na biso Celestin o zali bien formé et le linga na outil na ko répondre na question ça moko alelo papa na biso o komeka un peu hotel sa biso lelo to moni yo et to moni bino na kata lycée en le paradis to moni ba bangou le belé tout moni en fait tout moni ba porcelain en fait tout tourne un peu et ba obanda ki na bango depuis quelle année et puis le tout moni quand même moi quantité moko est bien na kata et si ka étendo tout si na kovana non ngai na bandaki porciculture tolisan paradis na 5 porcelles donc porcelain ce sont bangoul o ba otiko longo mabele 5 porcelain ya 2 mois et demi 3 mois to bandé na bangonde ngwana donc na 5 seulement donc toi là qui na 5 et 4 femelles na 2 na vera moko elle c'est mal beaucoup la bango ti lelo otokombo to banda qui ferme la biso beto banda qui élevage la biso na 2021 na juin donc il y a un lelo banda qui élevage la biso juste après mamba corona yango zoko ma donc biso bandi élevage la biso wana
tobandaki wana se pourquoi pour na koba kobanda vraiment pour koba nengeni ni élevage nengeni ngulu a okoma tina processus ya maturité mais lelo osonga na conseil mutu moko banda pour structure lelo oyo na koloba na abanda susuté vraiment na 5 porcelain mais par contre la ko conseiller ce que possibilité zali abanda na trui moko abanda pardon bien na 4 trui au bazana zemi ou bien abani na 4 trui ba jeune au bazaba 3 et ba 4 5 6 mois abani na bango et puis na vera moko comme ça a osana rapidité pour na koba ko atteindre maturité on a ba robota le plus vite possible pour wana ale ki jebe tap nyo sous ali a difficulté na ndenge ya koboko la banyama. Maintenant, par rapport à ce qui concerne le débit de Bino, jusqu'à présent, tout en 2023, et l'accident est un peu plus grand dans le projet agro-pastoral. Bon, nous avons dit que la porciculture, ce n'est pas seulement il y a premier truc à salaki mise bas à salaki na ba aboti bana 10 et yemo kwa kufi na bana 10 deuxième mise bas tous les 6 ba kufi et puis toi comme on a éclairage à partir de troisième mise bas et mais la troisième mise bas na biso pas comme par hasard tu roule robot ba aveugle alors tout monde qui on salaki le mon temps sous toi aboti ba aveugle oui ngula aboti ba aveugle et ça la marave et ça la macapé parce que ça ben ngoba problème génétique ça avec ba côté ba pour mon génétique bana soit botem ba avec tout n'a tout boka bango mais vétérinaire a continué biso plutôt garder bango tout à la croissance ta bango lelo oyo ba vegle wana ba comme na maturité ba comme vraiment prêt maintenant être accouplé par les robots vraiment maintenant ceux qui va les robots ba ko risque te ba robots les mêmes bana ba ça sortir les mêmes cas non parce que tout la dela qui yango pour toi ba vraiment la source na yango lelo to bango la ngote même ta ba boti ba robots ba vegle wana te parce que ezala qui ba problème moko ti a médicament au moment la banga joie qui l'air et comment le moment ya avant ya naissance pas pour ngoulou juste avant la mise bas par injecter quand le fer alors mais fer on est qui mal dosé et on te provoquera qui avec les mains mais avec ma problème génétique c'est parce que à la suite au moment la qui ngoulou abotina est bien maintenant mon tour n'est pas où t'as été le bandeau fantastique info TV ben y baye baye et comment ça s'est fait l'élevage des porcs. Bon en tout cas l'élevage des porcs est un élevage moins rentable. Ils ont conseillé. Pourquoi? Parce que mon ami, elle connaît sur le mot ça, l'ango fait banon déboucher na yango. Na mboka na biso République démocratique du Congo, la viande de porc consommée, nous produisons seulement 5% de la viande consommée. Et parmi la viande consommée, où ils en ont République démocratique du Congo, ils ont caracas ou taka à l'extérieur. Donc surtout bien caracas, il y a le quoi, matoyi, bamoso, bamakoso, bamipandi, bamisunuma ya solo solote. Blouse à quoi, jambon, côtelette, poitrine, tout est à la rana, et robe à salon. Donc, ce qui veut dire que le Congo, tu produis à rana, et l'eau comme côté, donc, tu as un ouvert. Et l'on a conseillé, tu as la porciculture ou à l'ingi, à se lancer dans la porciculture, il faut ne pas résigner par les moyens. Il ne faut pas résigner par les moyens, il faut mettre les moyens. Mais il y a trois choses où il va déroger à la porciculture, et la nourriture, la santé et la propriété. Trois choses règles d'or aux apports de la porciculture. Vraiment. Parce que Ngoulou, ce n'est pas avant qu'il y ait la salité, avant qu'il y ait la propre. Ça dépend de la salité par rapport à ce qu'il y a beaucoup là. Dans ce moment, il y a une image qui n'est pas la biseau, il y a une ferme, il y a une salité, Ngoulou a beaucoup de la propriété. Dans la salité. Vraiment, par rapport à la propriété, tout le monde bino et par rapport à la construction, et tout presque tout le monde a presque la bicycle. Et moi, Mingi, tout le monde a été le construction, il y a porcherie, il y a d'après il y a bino, tout le monde a laissé un paradis. Tout le monde, tout le monde a remarqué en fait, tout le monde, et la toiture aussi, tout le monde a été.
espace liboche aussi kocha ba tol o ba benya transparence, c'est-à-dire que non au cas où moi y éclairage zali pour ensemble écoute na case na bon par rapport ya mwengu le to yebeli ngulu aza nyama oyo o a supporter la chaleur té et a supporter vraiment moité mais wana to moni no boche tol o ya transparent d'après bino bo trouvant une technique wana méthode wana et bo idée wana bo zwa kyangu wapi. Il y a des gens qui parce que comme ça, ils ont été avant Yamamoko à supporter à moi, à supporter à moi, mais les rayons solaires sont très très capital pour la croissance. Donc, moi, je suis exposé à la vie à soleil parce que supporter à moi, mais il y a des gens qui ont été en tol transparent pour permettre que les rayons solaires et côté à Kati, ils ont profité de effet wana ya lumière aux alibanda pour permettre que pour la croissance tabango parce que ngulu avant besoin à voir zalakaka enfermé dans les noirs pour la qualité à viande et au singa il faut de temps en temps ngulu azalaka exposé dans la nature mais biso comme tout a fermé beaucoup remarqué que tout est bas costra bas gauche à droite biscans pour nous laisser passer le comment dirais-je et à réaction et salama. Et vous remarquez que Kati, la biso touti ba vendre la terre était mais température est frais. Pour ngulu alingaka moi ma capacité. Il faut température mais là une bonne température. Et vous remarquez même qualité ba ngulu la biso par rapport à lumière on touti ki wana. Mais na bande ko tuni et le lenye kani nini oyo bo zwaka et le lenye ya ko nourrir bango. Bozwa ka ngondinge nini. Bon, biloko ya kolia, il faut d'abord que ba été ce que ça l'élevage de porc ko luka moyen o se fournir na ba aliments o isa accessible. Donc o isa na ba autochtone. Pour na biso awa ba aliments o isa accessible, toza na midema o fourni biso ba son de blé, benga ba reste ba blé et puis toza na ba son de maïs parce qu'on a pays tropical et puis toza na ba soja. Donc, biso tout approvisionné kaka awa sur le terrain tout en na mi de ban tout en ba fournisser tout son bloko awa sur le terrain yango permettre pour tout meka ko lesa banyama et puis les aliments varient par rapport à la saison tam sous son de blé ko zangi tout compléter yango na son d'anini mususu na son de pain ceux qui peut-être son de maïs et zangi tout compléter on est d'abord on fufu tout farine et manioc. Ceux qui n'ont pas de maïs et de soja et zangi, ils ont tourteau de soja, tourteau de palmis, tourteau de soja. Vraiment. Maintenant, par rapport à ce qui concerne la formation, au comme un peu hôtel ça bande quoi fantastique info tv abonné nous ça fantastique info tv oazola ndayo bande quoi ba diaspora le nyeka newsi na kozala et au comme un peu expliquer bango tout ça combien de types d'élevage na kati ya monde tout ça na kovanda type élevage de porc parce que on a reparlé dans domaine nous avons un peu calé na yango parce qu'il y a des élevages ba les lapins et ali les rentables. Les élevages, il y a des sauces, il y a des cannabis, la consommation, il y a viande de porc, il y a viande de poulet, il y a viande blanche, il y a vraiment rentable. Et puis, il y a beaucoup d'élevages qui sont tous les gens qui sont tous les gens. Pour toi, sur 100%, il y a plus de pourcentage, c'est comme c'est la porc, la viande. Oui, la viande, dans le monde, mondialement, dans le monde. C'est-à-dire 70%, on te dit que non, la viande d'Inde a dominé. La viande la plus consommée du monde, c'est la viande de porc. Dès qu'on a résigné, qu'on a bangé, qu'on s'est lancé dans la porciculture. Parce que la porciculture, le porc, c'est un animal qui se transforme. Tu as un mot dans jambon, tokota na ba saucisse, tokosa na ba boudin, na bloke belle la transformation de porc, tokosuka porté to biso zo sala porté pour le oyo, to teka yango kana kapela, be to teka yango na coin ya nini kuna, image to projet to sala yango na porciculture, ezapoto kende li bosso, même ko encourager d'autres personnes o bali ba banda, yango sika ko encourager bango pour ko aider bango pour na ba déboucher parce que la viande de porc tango te quand on a comme attaque qui vient de porc et vous allez vous marrer rentable été et comme rentable tango et que transformer la jambon saucisse bah viande fumée et tout consort donc c'est une viande vraiment qui est rentable concernant pour faire mais on a le conseil mouvement je ne suis pas déçu dans la viande de porc.
Maintenant, par rapport à ce qui concerne quand le lycée en paradis, tout le monde a loge Moussousou. Et on a trouvé, tout le monde a bilili, je crois, caméraman et réalisateur Montréal a lancé l'image. Voilà, tout le monde y est. Et bah, pour Moussousou, bazawana, soit disant, soit pire au coup fort, soit pire au lala, tu es évité, Moussousou, bazawana, vraiment massivement, tu es évité en fait. Et il y a le banane, bazawana, t'as un report ou bien. Ouais, exact. Ou bien malade des années 40 Non, non, non. Angulo so bo remarque baba sa ma en bonne santé. Alors so moni bon na ta repos beza moma obalé. Balengu so galé à se reposaka. Parce que ngulu ko bosa na té objectif na yezali a gagner en masse. Azala munene donc ngulu akonda se kaza ngulu té. Ngulu za naturellement faza la misuni. Yango moni balé balali. O minene moni na baza ko lala baza ko se reposer. Pour l'instant, on a fermé tout libéré une grande partie. Il y a pas apport à première génération. Tout le monde au moins plus de 15 têtes apport et tout le monde au moins. Mais côté là, on a aussi tout le monde. On a tout le monde à Bilili. On a mené Néona. Et c'est comme ça s'appelle la première génération. Oui, il y a dans la première génération. Mais tu gardes, n'as pas remarqué le Komoko? Aza énorme. Aza mené ne peut mouler. Aza race Komoko boye. Oh, tu gardes. N'as pas remarqué le Bilili sur Baba Namso? Oh, bon, on a pembe awa. Baza bananaie. Il y a race toujours continuer race naie. Tu continues toujours race. Et ça la continuer. On te garde. Tout tiki soit ça soumise bam soussou. Tout tiki ça soumise bam soussou. Et puis et ça la quatrième mise banaie. Et puis te libérer parce que dans la bongo déjà comme déjà plus de 100 kilos donc il faut ça déjà allons à la ferme par rapport à bajout c'est ba loge msus to moni wana d'après bino vous pensez et vous en avez à peu près dans combien de ports na kata porcherie na bino à lycée en paradis bon pour l'instant toza toi là qui tu combien na plus de 50 plus de 55 58 ports mais maintenant tu libéras qu'il est 15 walongo et tu en as 45 ports sur qui na bosse intérieur c'est le porcher tu dois compter en gros et na 45 ports on a pour l'instant tu ko accouplé na mois ya février na mois ya avril na ce monde ba port au ya chocolat na pembe bazawa ba comme déjà là ba 5 mois 6 mois ba présenter ma première chaleur na bango toze la bon na troisième chaleur ba ko ça 60 kilos porte pas à la marre rentable de quoi coupler au moins 25 ports malamoko na mois ya avril donc objectif n'a pas pour l'année 2023 et allez 300 têtes de ports vraiment et puis à la longue toujours viser tous à la parmi les leaders vraiment la katna, ya port la carte la république démocratique du Congo oh, kaka na Kinshasa te na carte ya mon ngofu la te mais carte les non 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 kaka na Kinshasa na mon ngofu la te parce que mon ngofu les a toi la prototype bango rapport on a simi kolo ya to ben sabino bokoya su kota la place ko implanter bango suko yo sur un terrain de 5 hectares auto ko tonga vraiment ce ko ba loge na biso d'une manière professionnelle et ba bangare ya minene et puis dans les jours qui vont venir tu as lancé la bamboke belé, bamboke loko la likasi, tu as déjà na ba contact kuna, bamboke loko akalemi, tu as na contact kuna, et puis sans parler na bandundu, tu as déjà na ba contact autre chose en place. Donc sous Snap, c'est tout laisse en République démocratique du Congo, la viande des porcs. Vraiment, on est fantastique Info TV, je crois qu'on est de Sarabino partout, puis puisqu'on se vous en a besoin, qui est fantastique Info TV na terrain. Tous les analystes au Tambola, Longo, na équipe Mobimba. Et je crois que vous avez tapé le sous ma bille car on a papa la biso Célestine aussi dans le pasta ainsi dans le répond la biso pasta tu crois mais qu'un peu qu'on qui m'a mangé ou n'a le mangé ou n'a pas question sur car pour que tu vas clôturer mission sur mon collège je crois que la question c'est moins mingi à Koloba je crois que nous avons vraiment tellement apprécié et la bino dans comment la bino quand t'es fantastique Info TV dans comment la bac c'est pas diaspora mon petit noyai bah aussi les bananes mboka et bah aussi nous aussi les bananes bah maïe les pour que nous quoi bah qu'on mette en haut et la carte c'est la République démocratique du Congo Ezoa et Sikana maintenant on retourne un peu na par rapport à meilleure race ba race nini obnu bozana ngo et puis ba meilleure race nini obnu oyebi et pour na bande comme sous sur fantastique Info TV ba mekapé na ko yiba mayele wa na si vous remarquez ngulu obolobia munene wana to garder parce que ça large white large white ba race mokobo et produzaka beaucoup de viande en Europe ils ont même pour la côtelette naé à large bon à Milaï mais tout ça que ça bon on a piétrin ba race moko boya mboka o ils ont pèse mon plus résistant on a quatre na ferme la biso toi un peu dans moi bâtard toi na large white piétrin mélangé et puis tout bon remarquer moi quelques traces de rock ils en a quatre wana kuna alors pour ngai na ko conseiller mingi basala berer ko zo baras ya libanda ya europe ko ya ko boko la bango awa et puis tout monde bazo be chèque belé parce que baras sona bazo adapté awa te
pour na barras meilleure façon de aller faut toujours que ça là bas mix de barras pour nous retrouver bino moko race moko oisa pour approprier pour être dans la bino tibi soit on a besoin ya piétrin vraiment na katambo kanabiso na Afrique et puis si on mélange na large joie tu bien dire rock au monde qui vous va piétrin moko bazar résistant et bazar pe miné ne bazar la capacité à atteindre même 80 kg par après 6 à 8 mois. Pour la Ebi, on a quand même le bâté, la race, mon Ebi, race vietnamienne, et dans race, au moins, on goule, on a maté, il m'a bien intéressé, au moins, on a ventre, on a moins trop bas, et Babi, il y a une race, on a pas de race, il m'a donc important par rapport à Eba. Oui, race, on a tous joué, ah, on est précisément la Congo, tous joué, on a Kingakati, on a qui est importé par notre ancien président, Azana Baraswana, et puis à partir de Mobisu, tous on a pour tout l'anda, l'anzela, on a pour le Luka, quoi, Kiri, race, on a, mais bientôt, prochainement, tu représenteras, on a en affaire, mais l'abisso, parce qu'on a pas de négociation. Et ce sont des races importantes parce que tout le monde s'en est là comme au côté. Nous avons répété en haut, l'élevage des porcs, tout le monde a emboîté, tout le monde a niaouté, tout le monde a fait un ami souni, il fait un ami néné. Donc, vous avez beaucoup de races, mike, parce que vous allez perdre. Il faut chercher à tout pour que vous avez une race moraza bien résistant à la maladie, bien costaud et puis bien propre. Maintenant, avantage nini oyo yebi na kati ya élevage de porc na ozali na kosala. Bon, l'avantage de porc et l'avantage na élevage de porc avantage na ozali parce que porc c'est un animal a botaka soko boku lebi akobota 3 fois par année. Le porc peut donner naissance à 3 fois par année. Bon mingi babi kizalaka 2 fois par année, mais soto ozali ba calculer na ozali on a 3 fois par année et ozali manango bien pour sur ngulu aliki par exemple bokuple na mois de janvier. Robota après 3 mois, 3 semaines et 33 jours. Donc, ce qui veut dire d'aller entre 112 à 114 jours où l'on a la mise banane. Et après les 114 jours, on a ce que beaucoup de bananes bien et que maman Zolia bien après 6 semaines, beaucoup. C'est vrai, bango. Et ce que c'est vrai, ngulu après 6 semaines, si vous écartez mon panzi, vous laissez bien, vous allez vers le message, n'est bien une semaine après. Il peut encore retomber à chaleur et maman besoin ici pour accoupler parce que bazana n'était pas ça la tourisme la ferme azana pas à produit donc ce besoin ici on en a moins par exemple tu en as moins à main bien à moins à fin avril bon au moins avec arrosons à l'issue après 4 mois arrosons à l'issue bah moi y a bah août septembre à cause à l'issue encore une fois opérationnel et puis ce boutier sous mise bas et fin décembre à caboter le moins 3 fois. Yango avantage yango yangoana. Avantage yango est ngulu anya mamoko, soko za ba race moko ya bien à caboter lio allant de 8 jusqu'à 16. Donc yangoana. Mais il y a aussi des pertes na naissance, il y a des pertes de maladie, ya bomwana bien yango moni tinaya vétérinaire est important. Voilà, on est fantastique Info TV, je crois notre comme dans sucre émission de son koalelo et papa stressé notre comme un peu tout na yo ceux qui mutune uti pa ya président yoga. Bah oui, bah ça a besoin ya kozwa peut-être bah race ya obino ozana ngo et puis bah sorte bah race obino ozana ngo kata ya faire ya lycée en paradis et pas na bino bah kozwa ndenge nini. Bah c'est ça possible peu bah qui ko livrer ou bien bozana na terre na te mais je crois toi que ko yo ka bino mota ko bayete bo livrer qui déjà première génération et puis tu éviter ceux qui ça les sous ou bien sili. Non, en tout cas, nous avons besoin d'un prototype, nous allons tout ce qu'on a dit, nous avons tout ça ouvert. Nous avons besoin pour promouvoir bandeko nyonso bali ko sala élevage na si tozana bandeko belé auto travail na bonga collaboration tozana moi ni na biso moko ya WhatsApp groupe moko ya WhatsApp to ali wana tozana ndeko Olivier za na États-Unis na ndeko Hugues azana France azana to travailler ensemble na bonga bandeko musu to na bonga na groupe wana to sala ba échange ba race échange ba nini en tout cas to toko aider ba to nyonso ni ba sala élevage de porc ba ko ba contacter biso pour aider bango selon notre possibilité pour aider bango na formation parce que c'est très important formation ça pour na projeter mais yope oyo zone ko sala élevage il faut en connaissance ya babloko ko sala yango to sala mikolo ko ya to tsaba lien ya formation en ligne bato bani ba se former et puis pour bato bani ba dans la ba akiri ba nyama ba race ba ko ba contacter biso
au travail ba émission na biso ba ko contacter biso to sala pona ko aider ba tunyo so pona ko kende liboso na musala otoli ko sala ya prosculture. En tout cas on est vraiment ouvert to lingi ba ndeke ba kende liboso bonde ko mingi tozoka eloko ona ba diaspora et puis ce qui est un oh batunyos par comme beaucoup de bangoulou batunyos oui bien sûr mais bango ndeko nanga banyos ba beaucoup de bangoulou batunyos ba dans le chef té la ba 300 têtité 500 têtité 1000 têtité oh lelo oso ke bamboko ba Cameroun bamboko ko ba Nigeria bamboko ko ba Côte d'Ivoire ezana ba beaucoup avec ba 3000 têtes au retour ba 5000 têtes de porc et puis ezako ke liboso pour ça na biso ya li to former une grande communauté, il y a des connions tout, de se retrouver dans WhatsApp, de se retrouver dans groupe Moko pour nous faire ça, échange wana pour nous promouvoir ba jeune, ba mikolo, ba sipe mi bali. Quand mi bali te ba sipe, tu go travailler dans le longo pour nous faire ça, pour nous pour s'culture. Merci beaucoup Bandeko Fantastique Info TV magazine télévision wapi bolanda biso ono wapi bo pesa biso confiance na kata République démocratique du Congo mbote na mama Eduge Kalala et mbote na mama Jolie mbote na mama Germaine bisika bosi na kovanda mbote na mama Françoise Domaine Dadiwa bisika piscine bosi na kovanda et puis mbote na mon coordonnateur Lucien Bokite longo na libota mobimba et na président Yoga mbote ya trop et puis na papa Jérémy Lubaki na mon vieil bisiko za na Canada mbote ya trop et wana to kutani bongo na mikolezali koya et je crois to kozonga lisusu pa papa Celestino et bon me kampio kozonga lisusu ko yiba lisusu maele o sepe na émission partager ba lien bande ko ba s'abonner et kozonga lisusu malamu kitoko mingi pona biso avantage pona bino to pesi bongo bonne continuité et puis retour malamu na papa na biso Celestino na mukolo wa kozonga to yibina na mukolo te to kutana bino na mikolezali koya Fantastique Info TV, l'interface de la diaspora congolaise. Tendibino, au revoir.